Ali envolé. Je me suis toujours demandé pourquoi on nomme nuit blanche celle qu'on passe hors de son lit. Moi, je viens d'en passer une et je l'ai trouvée plutôt... verte. Ce qui n'a pas empêché mon concierge, quand je suis rentré le matin, de me saluer d'un petit air en homme qui dit « Mon gaillard, nous nous la coulons douce. » Et pourtant, mais n'anticipons pas. Il faut dire que j'étais amoureux depuis quelque temps. Oh, amoureux, vous savez, pas périr, mais enfin, légèrement pincé, quoi. C'était une petite blonde très gentille avec des petits frisons plein le front. Tout le temps, elle était à sa fenêtre quand je passais. Et à force de passer, de repasser, j'avais cru à la fin qu'elle me reconnaissait et je lui adressais un petit sourire. Je m'étais même imaginé, vous savez comme on se fait des idées, qu'elle me souriait aussi. C'était une erreur. J'en ai eu la preuve depuis, mais trop tard, malheureusement. Je me disais, faudra que j'aille voir ça un jour. En attendant, je m'informe habilement, sans avoir l'air de rien. Elle est mariée à un monsieur pas commode, paraît-il, directeur d'une importante manufacture de mitrailleuses civiles. Le monsieur pas commode sort tous les soirs vers 8 heures, se rend à son cercle et ne rentre que fort tard dans la nuit. Bon, me dis-je, c'est bien ce qu'il me faut. Nous étions aux alentours de la mi-carême et à l'occasion de cette solennité, j'avais été invité à un bal de camarades costumés naturellement. On sait que j'ai beaucoup d'imagination. Aussi, tous les amis m'avaient dit « Tâche de trouver un costume drôle !» Et je me déguisais dès le matin en hussard rouge de Monaco. Et vous me direz qu'il n'y a pas de hussard rouge à Monaco, qu'il n'y a même pas du tout de hussard ou que s'il y en a, ils sont généralement en civil. Je le sais tout aussi bien que vous. Mais la fantaisie n'excuse-t-elle pas toutes les inexactitudes? Tout en me contemplant dans la glace de mon armoire, une armoire à glace, je me disais, tiens, ce serait véritablement l'occasion d'aller voir ma petite dame blonde. Elle n'aura rien à refuser à un hussard rouge d'aussi belle tournure. Le fait est entre nous que j'étais très bien dans ce costume. Pas mal du tout même. Je dîne de bonne heure, un bon dîner substantiel pour me donner des forces, arrosé de bon vin généreux pour me donner du toupet. Je boucle mon ceinturon, car j'avais un sabre, comme de juste, et me voilà prêt pour l'attaque. En arrivant près de la maison de mon adoré, j'aperçois le mari qui sort. Bon, ça va bien. Je le laisse s'éloigner et je monte l'escalier doucement, à cause des éperons dont je n'ai pas grande habitude et qui sont un peu longs chez les hussards rouges. Je tire le pied d'une pauvre biche qui sert maintenant de cordon de sonnette. Un petit pas se fait entendre derrière la porte. On ouvre. C'est elle, ma petite blonde. Je lui dis... Au fait, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Parce que vous savez, dans ces moments-là, on dit ce qui vous vient à l'esprit, et 5 minutes après, on se ferait bien pendre pour le répéter. Mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est ce qu'elle m'a répondu d'un air furieux. « Vous êtes fou, monsieur, et mon mari qui va rentrer, tenez, je l'entends !» Et vlan, elle me claque la porte sur le nez. En effet, quelqu'un montait l'escalier, d'un pas lourd. Le pas terrible de l'époux, impitoyable. Tout hussard rouge que j'étais, je l'avoue, j'eus le trac. Il y avait un moyen bien simple de sortir de la situation, me direz-vous. Descendre l'escalier et m'en aller tout bêtement. Mais comme l'a très bien fait remarquer un philosophe anglais, ce sont toujours les idées les plus simples qui viennent les dernières. Je pensais à tout sauf à partir. Un instant, j'eus l'idée de dégainer et d'attendre le mari de pied ferme. Absurde, me dis-je, et compromettant. Et l'homme montait toujours. Tout à coup, j'avise une petite porte que je n'avais pas remarquée tout d'abord parce qu'elle était peinte comme le reste du couloir en imitation de marbre. Mais quel drôle de marbre, un vrai marbre de mi-carême. Dans ces moments-là, on n'a pas de temps à perdre en frivole esthétique. J'ouvre la porte, je m'engouffre avec frénésie, sans même regarder où j'entre. Il était temps. L'homme était au haut de l'escalier. J'entends le grincement d'une clé dans la serrure, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, la même sans doute, et je peux enfin respirer. Je pense alors à examiner la pièce où j'ai trouvé le salut. Ah,
Je vous laisse deviner le drôle d'endroit où je m'étais fourré. Vous souriez, donc vous avez deviné. Eh bien oui, c'était là, ou plutôt ici. Doucement, sans bruit, je lève le loquet et je pousse la porte. Elle résiste. Je pousse un peu plus fort, elle résiste encore. Je pousse tout à fait fort avec une vigueur surhumaine. La porte résiste toujours, en porte qui a de sérieuses raisons pour ne pas s'ouvrir. Je me dis, c'est l'humidité qui a gonflé le bois. Je marque bout contre le machin et... Peine perdue. Décidément, c'est de la bonne menuiserie. Une idée infernale me vient. Si le mari, m'ayant aperçu d'en bas et ayant deviné mes coupables projets, m'avait enfermé là grâce à un verrou extérieur. Quelle situation pour un hussard rouge, un soir de mi-carême, et moi qu'on attend au bal ! Non, ce n'est pas possible. J'éloigne de moi cette sombre pensée, et pourtant la porte reste immuable comme un roc. De guerre lasse, je m'assieds. Heureusement, on peut s'asseoir dans ces endroits. Et j'attends. Parbleu, quelqu'un viendra bien me délivrer. On ne vient pas vite. On ne vient même pas du tout. Et que mange-t-il donc dans cette maison ? De la confiture de coin, sans doute ? De la rue monte à mes oreilles le vacarme joyeux des trompes, des cors de chasse, des clairons, et puis terrible, le son des horloges, les quarts, les demi, les heures, et le libérateur attendu qui n'arrive pas. Et tous ces gens-là se sont donc gorgés de bismuth aujourd'hui ? La prochaine fois que je viendrai dans cette maison, j'enverrai un melon à chaque locataire. De temps en temps, avec un désespoir touchant, je rassemble toute mon énergie, je pousse la porte, je pousse pour une bonne porte, c'est une bonne porte. Enfin, épuisé, je renonce à la lutte. Le manche de mon sabre me rentre dans les côtes, je l'accroche au loquet et je m'endors. Sommeil pénible, entrecoupé de cauchemars. Le bruit de la rue s'est peu à peu éteint, il ne reste plus qu'un cor de chasse qui s'obstine héroïquement dans le lointain. Puis le cor de chasse va se coucher comme tout le monde. Je me réveille. C'est déjà le petit matin. Je me frotte les yeux et me rappelle tout. Mon sang de hussard rouge ne fait qu'un tour. Rageusement, je décroche le sabre et le tire à moi. Je n'ose vous dire le reste. Imbécile que j'étais. Double imbécile, triple imbécile, centuple idiot, milliuple crétin. J'avais passé ma nuit à pousser la porte. Elle s'ouvrait en dedans !